Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir la pièce de concert de la série Onde Sonore Emicida à retrouver dans les choix d'Epic. Donc tout simplement, vous allez aller dans les modes de jeu, voilà, et à l'affiche, il y a la série Onde Sonore. Sinon, si elle n'est plus à l'affiche, vous descendez, vous allez dans les choix d'Epic Game, voilà, donc l'onglet choix Epic Game, et regardez, normalement vous devriez trouver série Onde Sonore Emicida en premier lieu. Donc voilà, ensuite ce que vous allez faire c'est tout simplement la sélectionner et lancer le jeu. Donc vous attendez que le jeu se lance, ensuite par la même occasion, en attendant, ce que vous pouvez faire c'est aller dans la boutique de Fortnite, noter le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Et merci à tous ceux qui le font parce que c'est super important, donc merci énormément à ceux qui me soutiennent et en mettant le code créateur. Donc vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc là vous allez tout simplement attendre que la connexion se fasse. Alors quand la connexion est faite, ce que vous pouvez faire c'est appuyer sur option, aller dans le menu, lancer le jeu directement pour ne pas attendre. Et là vous allez devoir attendre 30 secondes que le concert se lance. Donc regardez sur l'écran, il va être marqué attendre 30 secondes, enfin là il n'est pas encore affiché mais il va s'afficher un compte à rebours, faudra attendre les 30 secondes. Donc voilà, regardez, le compte à rebours s'est lancé, là vous attendez 30 secondes, ensuite une vidéo va se lancer et vous allez téléporter dans le concert. Donc moi j'ai coupé le son pour problème de droit d'auteur, je préfère, donc vous n'allez pas entendre. Là ce que vous attendez, bah, dès que vous voyez ça, vous foncez dans le logo et là vous allez téléporter ici. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est tout simplement attendre d'être téléporté dans une autre pièce. Mais je vais vous montrer un truc qui va vous permettre de gagner de l'XP en même temps. Ok, donc à ce moment-ci, quand vous allez être propulsé en l'air, il y a des pièces de notes de musique que vous allez pouvoir récupérer qui vous donnent de l'XP. Donc là, je vous les montre toutes. Hop. Voilà, je pense que je les ai toutes récupérées. Donc, je jette un petit coup d'œil. Voilà, j'en vois plus. Donc, quand vous les avez toutes récupérées, vous attendez. Voilà, à un moment, vous allez être propulsé en l'air et il y aura un terrain de foot. Vous allez pouvoir récupérer 4 notes de musique. Donc, une ici, peut-être même plus, je crois. Non, il n'y en a pas d'autres. Hein. Non, il n'y en a que 4. Donc, aux 4 coins du terrain, il y a 4 notes à récupérer. Donc, ensuite, vous attendez. Ensuite, il y aura un petit logo comme ça. Vous foncez dedans pour passer à la prochaine musique. Là, vous allez tout droit dans le vortex. Vous avancez. Hop. Alors là, ça vous téléporte dans une ruelle. Là aussi, il y a des pièces de notes, enfin des notes de musique à récupérer qui va vous donner des XP. Alors, il faut savoir que moi, j'ai déjà fait le concert, donc je gagne moins d'XP que vous. Normalement, vous devriez prendre beaucoup plus d'XP que moi. Hop. Donc là, vous récupérez les 4 pièces. Comme j'ai fait, vous allez près de la porte de sortie juste ici, vous attendez qu'elle explose. Voilà, quand elle explose, vous continuez votre chemin. Oh, il y a une note qui est apparue en plus, on va la prendre. Voilà, vous continuez le chemin, vous ramassez les notes de musique. Parfait. Donc là il y a une note de musique en haut mais je la prends pas, je continue tout droit. Il y a des notes de musique plus loin. Quand En vrai, j'aurais peut-être pu la prendre, j'aurais peut-être eu le temps. Mais bon, bref. Là, la porte, elle se casse. Vous arrivez ici, vous allez pouvoir tirer dans les cibles. Ça va vous rapporter de l'XP. Hop, il y a 5 cibles au total. Chaque cible, vous pouvez tirer 10 fois dedans pour gagner des XP. Je pense que c'est 10 fois au maximum. Donc, regardez, ça rapporte quand même pas mal d'XP. Vous en faites 2, puis après, ben,
Dès qu'elle rapporte plus d'XP, vous changez. Faut bien tirer dedans par contre, sinon ça fonctionne pas. Donc c'est plutôt pas mal, hein, une petite musique d'ambiance avec, avec de l'XP gratuit, pourquoi pas. On est preneur, hein. Voilà, à un moment vous allez perdre votre lance-œuf. Donc là je l'ai toujours, donc ça va. On continue à tirer sur les cibles. Voilà, là j'ai perdu mon lance-œuf. Donc soit je récupère les notes de musique, ou soit je continue à avancer, mais c'est comme vous voulez. Moi je vais continuer à avancer. Ah, je peux pas? Je peux pas aller par là? Ah si, c'est bon, je peux. Hop. Alors je pense que c'est je vais dans le sens inverse, j'ai l'impression. Ah oui, il faut que j'aille là-bas. Mais je vais quand même récupérer les deux pièces, les trois pièces qui sont ici, enfin les trois notes de musique. Ah bah ça me téléporte automatiquement. Donc là vous allez dans le vortex, hein. Ça va vous téléporter dans un autre endroit encore. Et là, ben c'est un peu inconnu pour moi parce que j'ai pas été jusqu'au bout du concert en fait. J'avais fait que la moitié. Oui, il y avait le lance-œuf. Mais bon, voilà, vous récupérez les notes, le maximum de notes que vous pouvez. Hop. Alors, il y en a... Je sais pas si... Non, on peut pas. Trop stylé. Ok, donc, je pense que j'ai eu toutes les notes ici. Ouais, donc... Comme j'ai toutes les notes, est-ce que je peux pas faire un truc avec ça là? Non, là j'ai toutes les notes, donc je dois attendre que la musique continue et me téléporte autre part. Ok, donc là ensuite, quand vous voulez, vous allez dans le logo et boum, vous allez dans le prochain portail. Comme je suis en train de le faire. Alors, bah là on va voler vers la pièce, la note de musique, on les ramasse. Là, ça me donne moins d'XP, hein. C'est normal, j'ai un peu tryhard les glitches d'XP et tout, donc je gagne pas beaucoup d'XP. Donc quand on est ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut attendre que ça s'ouvre. Donc on va attendre tranquillement. Voilà, parfait. Là, on va pouvoir récupérer cette arme. Le glaive. Voilà, avec cette arme, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour l'instant, je vois pas trop. Donc on va récupérer les notes de musique, on va descendre par ici. Rien de spécial. Est-ce qu'il faudrait pas que j'aille dans le portail là-bas? Je ne sais pas, on va tester. Mais je pense pas parce que c'est de là que je viens. Non. Je crois pas. Hein. Je suis perdu là. Ah non, ça m'a renvoyé ici, ok. Donc faut attendre. On peut peut-être aller tout là-bas, je sais pas, on va aller voir. Ah, il y a une note de musique. Ah ouais, il y a une petite flèche aussi qui nous indique de passer dans le portail. Parfait. Ok, donc là, il y a encore des notes de musique à récupérer. Ah, on peut les casser. Ok, voyons voir si ça donne d'XP si on casse les troncs d'arbres. Non, ça donne pas d'XP. Mais ça ouvre un autre passage. Ok, c'est bon à savoir. Donc, je suppose que faut casser les piliers pour ouvrir les passages. On va d'abord récupérer les notes. Ok, il y a encore une note tout là-haut. Hop, on la récupère. Et là, on va casser le pilier. Ah, il y a encore une note là. Voilà. On casse le pilier. Normalement, ça devrait ouvrir un autre passage. On va voir ça. Ok, parfait. Ah mince, je suis tombé. Hop. Et maintenant, on va casser un pilier pour encore ouvrir un passage. Voilà, parfait. Bon, j'ai même pas eu besoin de casser le pilier, apparemment. Ok. Donc là, on suit le chemin. On récupère les notes.
Et apparemment, je sais que si on casse quelque chose dans la map, on gagne de l'XP, mais je sais pas si c'est la pierre là-bas. Attendez, on va voir. On va faire le tour. Ok, je peux pas passer par là. Je vais aller voir si je peux casser la pierre là. Mais... Ah voilà, c'est ça qu'il faut casser en fait. Et ça, normalement, quand vous allez le casser, ça va vous donner aussi de l'XP. Voilà, 340. Après, comme je vous ai dit, hein, ça va vous donner plus d'XP, vous. Donc, cassez tout, hein. Tout ce que vous pouvez. Voilà, il en reste une. Vous allez voir qu'à la fin, on va même pouvoir récupérer 45 000 XP gratuit. Hop, maintenant on monte. Alors, on saute sur le champignon. Sur le deuxième. Et sur le troisième. Parfait. Je crois que là, on doit attendre. Ouais, je crois qu'il faut attendre. Ok, ça vient de s'ouvrir. On continue le chemin. On casse la grosse pierre juste ici, le gros cube. Ouf, il est résistant celui-là. Ok, c'est bon. Par contre, il n'a pas donné d'XP. C'était juste pour ouvrir un passage. Ok, là on casse. On casse les bambous. On continue. Parfait. Alors ici, il y a quelque chose à récupérer. Pick up. Ah, je crois que c'est pour... Ah non. Tom's... Ok. Ah ok, il faut ramasser les pierres pour les mettre ici. Au middle, là. Parfait. Ensuite... Ben ensuite, je pense qu'il faut attendre. Ok, il y a un chemin qui vient de s'ouvrir. On y va. On récupère les notes. Je pense qu'on arrive à la fin du concert, là, justement. Donc là, on attend que la porte s'ouvre. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à faire. Ouais, ben voilà, elle s'ouvre. Parfait. Alors, on est téléporté encore dans un autre endroit où il y a des pierres à détruire. Normalement, ça va nous rapporter encore de l'XP. On va tester. On va casser celle-là. Je sais pas si elles sont cassables, celles-ci. Ouais, je crois. Hein. Je crois qu'elles sont toutes cassables, en fait. On va voir. Ouais, elles sont cassables, mais elles donnent pas d'XP. Bon, donc, ça sert à rien de les casser. Alors là, apparemment, faut casser ça. Donc vous sautez dessus. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Quand vous sautez, vous pouvez faire une attaque en l'air comme ça, là. Ok, donc là, on doit attendre. Et je crois que c'est la fin du concert. Ok. Ah non, c'est pas fini. Ok, on va dans le portail. Ok, donc on a perdu notre épée. Donc là, on peut ne faire que d'attendre que la porte s'ouvre, à mon avis. Voilà, elle s'est ouverte. Parfait, on récupère les pièces, on avance. Ça me fait penser à Kinder Totten dans Call of Duty Black Ops. Incroyable. Enfin, vite fait, quoi. Ok, on a récupéré 4 pièces. Ah, il y a encore 2 notes de musique en haut. Voilà, on va récupérer l'autre là-bas. Voilà, désolé de ne pas avoir mis la musique de l'événement, mais c'était au cas où il y a eu des copyrights dessus. Bon, là, on casse les deux cubes. Ok, ça donne de l'XP en plus.
Parfait. Ensuite, on attend. Alors, apparemment, le skin qui est là, il sortira pas en boutique, mais il y a un skin qu'ils ont créé exprès pour l'événement. Oh, ok. Le cube m'est atterri dessus. Encore heureux qu'il m'a pas tué. Donc là, on le détruit tout simplement. Voilà, c'est le plus gros cube qu'il y avait. Voilà, il donne de l'XP en plus, c'est parfait. Regardez le petit skin là. Je pense pas qu'il sortira dans la boutique, apparemment il sortira pas. Ok, on a regagné 222 XP. Est-ce que c'est la fin du concert? Il y a des chances, il y a moyen, je sais pas. Hop, on prend le... Quoi? Ok, on prend le portail. Enfin, le logo. On va chercher... Ah mince, ah c'est bon. On va chercher les pièces d'XP. Parfait. Ah mince, je suis tombé. Ouais, en fait, je fais le fou, moi. Ça passe pas, mes sauts. On va y aller plus tranquille. Normalement, là, je peux monter. Ouais. On va récupérer cette pièce. Ok, est-ce qu'il y en a une autre? Ouais, il y en a une autre là-bas. Ensuite, là j'en vois plus. Mais je vois un gros truc en milieu là. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est une tête de feu. Ah, je peux casser des choses ici à gauche. Ah, c'est les mains. C'est un monstre en fait. Un monstre de lave ou de feu. Ah, plus de batterie. Et il faut casser ses mains. Ok, parfait. Encore des notes de musique à récupérer. C'est parti. Ok, là je pense que j'ai tout récupéré. Donc je vais attendre. Ok, donc là on va dans le logo comme d'habitude. Ça nous retéléporte dans le concert, enfin dans la salle de théâtre. Mais cette fois-ci elle est pas bordélique, elle est bien rangée, elle est bien clean. Donc on récupère les pièces, enfin les notes. Ok. Parfait. Et là, je pense qu'il faut... Ah, on peut l'ouvrir. Mais ça ne sert à rien. Donc là, on va attendre. Ok, donc c'est fini. Le mec est en train de remercier. Hop, on prend les deux pièces d'XP et on se dirige vers le logo de fin. Et là, ça nous téléporte. Donc là, thank you, ok. Là, ça nous téléporte dans le commencement et il faut absolument récupérer cette pièce. C'est la pièce secrète de ce concert. Ça va vous donner 45 000 XP plus un aérosol gratuit. Et c'est comme ça que vous allez terminer le défi. Regardez, obtenez la pièce de concert, hop, validée. Et là, vous obtiendrez 45 000 XP plus un aérosol gratuitement. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. Vous pouvez recommencer le concert en illimité si vous voulez gagner des XP. C'est plutôt une bonne astuce pour se faire beaucoup d'XP facilement. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapmeek et ciao. Peace.